La petite Margot, c'était comme ma petite sœur. C'était son rêve de, quand on sera grande, ouvrir une boulangerie. Et je m'appelle Faisal, je suis tunisien. Je suis venu en France l'année 98 avec la famille. Quand mon père a vendu la boulangerie dans le Nord, je suis venu en 2011 à Paris. J'avais pas beaucoup d'argent et ça fait 5 ans que je cherche un local pour faire cette petite boîte. C'était un rêve d'une petite fille que ma mère a gardée. C'était comme ma petite sœur. C'est avec elle que je prends à parler français. Je passe le temps pour les vacances et tout. Et j'aimerais bien que les clients savent qu'on fait les cookies avec amour parce qu'on a perdu Margot. Et si tu sens un rêve, c'est ça juste le truc que j'aimerais transmettre aux clients. Oh là là, voilà. Non, merci mais... beaucoup. C'est trop gentil. Avec plaisir. C'est des barres cacahuètes avec des pépites de chocolat, chocolat chaud ultime pistache, chocolat chaud ultime vanille. La petite Margot, elle n'arrive pas à dire mon prénom. Elle ne sait pas dire Faisal, elle dit Faisi. Et Tis, c'est mon nom de famille. Et elle me disait, quand je suis grande, je vais ouvrir une boulangerie. Je l'ai nommée Faisi Tis. C'était son rêve. Mais voilà, on a perdu Margot à l'âge de 13 ans dans un accident. C'est pour ça que je lui rends hommage en créant cette petite café des Faisi Tis, des cookies pour la paix de Margot.